Monsieur Tigui, Elebe Motingia. Tigui étant mon prénom, Elebe mon nom. Motingia mon post-nom. Je suis né un certain 30 septembre, un samedi soir, ce qui fera dire à mon père que je fus longtemps attendu sous l'orme, parce que comme tous mes grands frères et sœurs, on m'attendait un jeudi. Je suis donc né de M. Philippe Elebe Maekonzo et de Mme Agbeti Epiphany Ablavi. J'ai fait mes études maternelles à Saint-Luc. J'ai fait mes études primaires au complexe scolaire La Ribambelle, qui est devenu plus tard le complexe scolaire Niota, situé à ma campagne. Après avoir décroché mon certificat d'études primaires, je serai inscrit au collège Boboto. C'est là que j'ai fait mon cycle d'orientation. Je n'ai pas eu beaucoup de chance parce qu'à ce moment-là, je ferai une année blanche qui était due à la situation que le pays a connue à cette époque-là. Je serai finalement réinscrit au collège Notre-Dame, Bossembo. C'est par ailleurs là que j'ai fait toutes mes humanités littéraires. Et c'est donc au collège Bossembo que je décrocherai mon diplôme d'État en option latin philo en 1999. Et donc tout de suite après, ambitieux que j'étais, je me lance à la faculté de droit de l'université protestante au Congo, où 3 ans après, j'obtiens mon diplôme de graduat, après avoir produit un travail de fin de cycle que j'avais intitulé à l'époque « La souveraineté des États au regard des droits de l'homme », où je me demandais si c'était une fiction ou si ça pouvait être considéré comme une réalité. Et donc 2 ans plus tard, je décrocherai toujours à l'université protestante au Congo mon diplôme de licence en droit, option publique internationale, après avoir rédigé un mémoire qui, à l'époque, tenait compte de l'actualité, parce que l'Irak venait d'être envahi par les États-Unis, et donc je dépeignais un peu la situation de ce qu'on pourrait qualifier d'agression de l'Irak au regard du droit international, et donc je me posais la question de savoir s'il s'agissait effectivement d'une légitime défense ou est-ce qu'il s'agissait simplement d'une pure agression. Et donc voilà, c'est au terme donc de ce mémoire que j'ai défendu que j'obtiendrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon diplôme de licence en droit. Je ne me suis pas directement retrouvé sur le marché de l'emploi parce que, comme vous le savez, ça fait partie certainement des combats que je menais à cette époque-là. Ce n'est pas évident pour des jeunes qui terminent l'université de trouver d'emblée un emploi rémunérateur. Et donc j'ai connu un peu le même problème, ce qui m'a amené entre-temps à militer dans les associations, notamment pour la situation des jeunes, mais spécifiquement la question de l'emploi. Et puis, bon, bah, par la force des choses, je trouverai quand même mon premier emploi. Ce fut au réseau des femmes des entreprises du Congo, REFEC en cycle, où j'ai eu l'occasion de militer pour la cause de la femme, dans une certaine mesure, parce que c'est un réseau qui milite pour l'égalité des chances entre l'homme et la femme, surtout dans le milieu professionnel. Et donc j'ai eu à exercer dans ce réseau pendant près de 2 ans, au point d'acquérir une certaine expérience sur les questions du genre. Ce parcours m'emmènera finalement à intégrer l'Institut National de Sécurité Sociale que j'intégrerai fin 2008. Et donc là, j'occupe les fonctions, dans un premier temps, de chargé de mission du directeur général, avant, bien entendu, d'être affecté dans le service que j'occupe actuellement. C'est le secrétariat
des organes statutaires où je suis assistant. Et donc le secrétariat des organes statutaires étant donc ce service qui gère au quotidien les activités des organes de l'INSS, à savoir le conseil d'administration et la direction générale qui a succédé au comité de gestion depuis la transformation des entreprises. L'INSS qui était considéré comme une entreprise mais qui aujourd'hui retrouve son statut d'établissement public. Et c'est là que je preste par ailleurs jusqu'à aujourd'hui à titre principal, à côté bien entendu d'autres activités qui sont plutôt du ressort de ma passion. On m'aurait posé la question il y a 10 ans de savoir si j'aurais fait la télé, j'aurais certainement dit non. C'est parti au départ d'une passion, pour les écrits, pour la littérature, pour les auteurs, pour les belles lettres. Mais c'est parti aussi d'un constat, j'avais l'impression que notre société n'était pas très portée vers ce secteur-là, qui est pourtant un maillon fondamental de la culture. J'avais l'impression que quand on parlait de culture, on était porté vers les autres domaines, à savoir la musique, à savoir le théâtre. Encore que le théâtre est pratiqué de nos jours d'une certaine manière. Mais j'avais l'impression que la littérature en soi n'était pas assez promue et que même dans les télévisions, il y avait très peu de chaînes, sinon quasiment pas, qui réservaient un espace comme ça à des programmes culturels, surtout littéraires, où les auteurs auraient l'occasion de venir parler de leurs œuvres, de venir parler de leur inspiration, de ceux qui les poussent à écrire. Et donc c'est comme ça que, mu à la fois par cette passion et par cette révolte, de suite du constat que j'ai établi tout à l'heure, que je me suis dit, il faudrait que je pense faire quelque chose. Et donc je me suis improvisé comme ça à la télévision en concevant un programme de littérature. Et j'ai pensé que je serais certainement la personne la mieux indiquée à pouvoir la présenter, étant donné que voilà, l'idée à la base venait de mes tripes les plus profondes. C'est comme ça donc que je me retrouverai à la télé un peu par la force des choses. Mais avec le temps, c'est une fonction ou un métier que j'ai bien appris à aimer et à apprécier, au point que je me suis même demandé quelquefois si j'avais pas raté ma vocation. Mais quoi qu'il en soit, je m'y plais bien. Et tant qu'à faire, si je peux à travers ce canal porter un idéal, celui de redonner le goût de la littérature à notre jeunesse, à notre population, tant qu'à faire, je dis pourquoi pas. La passion de la lettre, je la caresse depuis ma tendre enfance. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était porté, très porté même, vers ces questions-là. C'était un homme de culture. Ceux qui l'ont connu, Feu et les Bema et Konzo, savent que la culture était son lot quotidien. Et donc, j'ai vécu dans cette sorte d'ambiance, dans cette sorte de cosmogonie qui finalement ne m'a pas beaucoup laissé le choix, tant à moi-même qu'à la plupart de mes frères et sœurs. Nous avons presque hérité de cette passion, de cet amour vers la littérature, vers les belles lettres. Et je pense que c'est une passion, voilà, que j'ai simplement découvert en moi. Je n'ai pas fait beaucoup d'efforts pour m'y intéresser. C'est parti justement de cette ambiance que j'ai décrite et du fait d'avoir côtoyé un homme qui, dans son vécu quotidien, respirait la culture. Je suis sur le point de publier mon premier roman. Donc forcément, ça veut dire que j'écris des histoires qui me sont parfois personnelles, mais aussi des histoires qui sont le fait de l'observation, de la vie de tous les jours, des hauts et des bas de la vie. Et donc, ce premier roman, je compte le publier au courant de cette année. C'est une histoire assez spéciale parce que la plupart des gens à qui j'ai raconté ça m'ont antiqué d'une certaine manière, parce que c'est une sorte de dialogue entre un vivant, une vivante je devrais dire, parce que c'est la femme qui est vivante, et un mort, le mort étant justement son mari.
Et donc, c'est deux personnes comme ça qui sont en train de dialoguer, une sorte de dialogue insoupçonné, parce que, bien entendu, la femme ne sait pas que son mari l'écoute au fond de sa tombe. Mais le mari, lui, a cette capacité de voir sa femme et de l'entendre. Et donc, il s'engage comme ça une sorte de dialogue qui retrace des souvenirs, des instants de vie vécus ensemble, mais aussi une certaine amertume, parce que finalement, je ne vais pas ici raconter toute l'histoire, mais le mari a été tué un peu par la sorcellerie d'un homme qui était jaloux de son ascension fulgurante dans la société. Et donc voilà, c'est un peu cette histoire que j'ai dépeint. C'est un concours que nous avons dénommé Les Plumes Conscientes, qui fait suite en fait à l'émission Les Plumes Conscientes, que nous avons commencé, pour dire vrai, depuis le mois de juillet de l'année passée, que nous avions suspendu pour des raisons bien évidentes liées notamment aux élections, mais aussi à certains paramètres logistiques et financiers, que nous reprenons donc le 15 avril. Alors c'est un concours qui organise deux catégories. D'abord, avant de parler des catégories, j'aimerais bien dire les raisons qui nous ont milité à pouvoir mettre sur pied ce concours. Nous voulions, à travers ce concours, donner un cadre d'expression aux auteurs, en les primant tous les mois. Ça veut dire en primant tous les mois la meilleure nouvelle et le meilleur poème, parce que ce sont les deux catégories qui sont organisées. Nous voulions aussi, à travers ce concours, instaurer une sorte de tradition littéraire qui, à proprement parler, n'existe pas en République démocratique du Congo. C'est dommage, d'ailleurs. Il faudrait justement que nous puissions avoir une tradition littéraire. Mais nous voulions aussi, à travers ce concours, faire l'éloge du français. Parce que, on le sait, notre pays est un membre de la francophonie, le deuxième pays francophone, et donc il était normal que nous puissions nous arrêter un moment pour mettre en avant-plan cette langue, qui est par ailleurs notre langue officielle, et qui connaît, en notre sens, pas mal de difficultés dans son usage, surtout de la part de nos jeunes gens. C'était l'un des objectifs que nous recherchions à travers ce concours, à côté justement du besoin d'installer une tradition littéraire en République démocratique du Congo, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, en quoi il consiste justement ce concours? C'est que les gens qui ont quelques talents en eux ont la possibilité chaque mois d'écrire soit une nouvelle, soit un poème, et de l'envoyer à l'adresse que nous donnons, ce n'est que Plume Consciente, au pluriel et en un mot, @yahoo.fr. Il y a un comité qui est établi à cet effet, qui a pour mission de lire tous les textes et de juger du meilleur texte selon les catégories, sur base de critères bien évidents, à savoir l'imagination de l'auteur, mais aussi l'aspect esthétique de l'œuvre. Et donc chaque mois, les gagnants sont primés au cours d'une cérémonie qui est organisée à cet effet, question comme ça de stimuler et de redonner davantage ce goût que nous avons perdu en République démocratique du Congo. La politique, il me semble que c'est notre lot quotidien. Enfin, je veux dire, voilà, c'est si bien dit que si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera certainement de vous. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, même quand on est dans le cadre purement culturel, il y a une interaction forcément avec la politique. Les conditions changeant, ça pourrait bien arriver, hein, pourquoi pas. Pour l'instant, je fais une politique plutôt réservée et plutôt axée vers la vie associative.